Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Max15. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc faites pas attention à mes cheveux, tout simplement parce que j'ai été me doucher, tout le bazar. Donc ici, j'ai mis un gilet pour tout simplement avoir chaud et que je sois bien. Du coup, ne vous inquiétez pas, c'est pas un gilet que j'ai mis pour dormir. Je viens de le mettre et tout simplement parce que bon, il est propre et du coup, je le mettrai demain et tout le bazar. Donc voilà, je me suis mis un truc sur le dos pour éviter de mettre un vieux truc et tout bazar. Bref, du coup aujourd'hui on va se retrouver pour mes 10 films que j'aime bien et que je vais tout simplement vous présenter et vous dire ce que j'en pense réellement. Allez, générique! Le premier de mes films, c'est tout simplement Des Tours Mortels. Je vous mettrai les images. Ce film que j'ai regardé en étant plus jeune et que je regarde encore maintenant, ça peut m'arriver tout simplement de le mettre et de me le regarder parce que c'est un film que je kiffe. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez Des Tours Mortels, vous regardez une bande-annonce et vous allez voir c'est quoi comme genre de film. Et puis voilà, les autres, que ce soit le... Je préfère le 1 parce que le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, j'aime pas. Je les aime pas. Je préfère le premier parce que en fait, le premier est plus réaliste. Tandis que les autres, on voit qu'en fait, c'est un déguisement. Tandis que le premier, on aurait dit que c'était réel. Mais là, les autres films, c'était plus, on aurait dit, un déguisement. Voilà. Tout simplement. Mon deuxième film préféré, c'est tout simplement Saw, voilà, les Saw. Il n'y a que le premier, le 2, le 3 que j'aime bien, les autres je les trouve bien mais c'est pas sans plus quoi. Du coup c'est les Saw que je préfère, donc les Saw c'est ce que j'aime bien aussi niveau c'est parce que c'est gore, voilà, j'aime bien parce que c'est gore. Et alors, quand c'est gore, je kiffe ça en fait. En fait, moi, dans ma tête, en vrai, je vais pas dire que je suis psychopathe parce que je suis pas psychopathe, mais j'aime bien les films comme ça où tu vois des membres s'arracher ou tu vois. C'est un truc que je kiffe. Voilà, tout simplement. Du coup, on va passer à mon troisième film préféré. Alors, c'est les Freddy. Voilà. Donc, Freddy, les griffes de la nuit. Je les aime bien tous. Tous à part le dernier, le 7, je l'aime bien, mais le problème c'est qu'on voit que c'est un masque et tout le bazar. Mais je les aime bien, la saga des Freddy sont super, rien à dire là-dessus, à part que à la longue on voit que c'est un déguisement, surtout dans le dernier. Mais ils sont terribles, mais mon préféré reste le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et puis voilà, j'ai rien à dire par rapport à ça, et puis voilà. Bref. Passons au quatrième. Je pense que c'est le quatrième. Et puis voilà, je vais vérifier ça tout de suite. Voilà, désolé. Donc nous sommes au quatrième. Désolé pour ce petit, c'est parce que tellement que je parle, j'oublie. Donc nous sommes à mon quatrième film préféré. Alors, mon quatrième film préféré d'horreur, c'est ça, voilà. Donc, le tout nouveau qui est sorti, le premier est sorti au cinéma, et ici le 2 que j'ai été voir en compagnie de Fury. Donc, c'est bien, c'est un bon film d'horreur, on va dire... thriller, horreur quoi, mais c'est un film que j'ai bien aimé, la première partie j'ai bien aimé, la deuxième partie j'ai bien aimé, sauf un seul détail, c'est qu'à la fin, j'ai pas aimé, mais de la façon qu'ils ont tué le clown, en fait, c'était complètement débile, en fait, parce que dans les anciens, pour ceux qui continuent l'ancien, là, il était vraiment bien, les deux parties étaient vraiment bien, parce qu'il tuait le clown d'une belle façon, tu vois, c'était accrochant, tandis qu'ici, le nouveau, ils ont tué le clown d'une façon ridicule, voilà, donc, mais sinon, ça, c'était super, voilà, tout simplement.
Du coup, je vais passer au cinquième. Donc, mon cinquième film d'horreur préféré, alors là, vous n'allez pas en revenir, c'est tout simplement vous Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Alors, pourquoi Massacre à la tronçonneuse, le commencement? Tout simplement parce que il est énorme. Il est énorme. Moi, je kiffe le mec quand il tronçonne l'autre mec là. Il est vraiment super, c'est Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Voilà, de toute façon, vous aurez les images et tout le bazar. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Et puis voilà, c'est vraiment chouette. Ce film, il me fait marrer plus qu'autre chose, en fait. Dans le sens où, en fait, enfin voilà. On va passer à mon sixième film préféré. C'est bien sûr Paranormal Activity. Voilà, Paranormal Activity, le premier, parce que lui, il m'a bien fait flipper et j'ai vraiment bien sursauté sur celui-là. Parce que, bon, Paranormal Activity n'est pas un film d'horreur, c'est inspiré de faits réels qu'ils ont fait. Et en fait, c'est vraiment ce que la police a retrouvé, quoi. Ils ont montré les images, enfin, passons. On va passer au septième de mes films préférés. Le film d'horreur préféré, donc le septième, c'est le film Halloween. Voilà, donc avec. Je crois que c'est pas Michael Myers, parce que Michael Myers c'est dans Vendredi 13, il me semble, si je dis pas de conneries. C'est avec. Je ne sais plus. C'est pas Michael Myers, parce que Michael Myers c'est Vendredi 13. C'est l'autre. Ah putain, je sais plus. Enfin, si vous savez le nom, dites-le-moi dans les commentaires. Je sais plus, mais c'est Halloween. Et puis voilà, tout simplement parce que j'aime bien. C'est cool. Voilà. Il y a aussi le huitième film préféré que j'adore et que j'aime bien. C'est Souviens-toi l'été dernier avec le mec avec son crochet à la main. C'est vraiment. Il m'a bien fait sursauter par moments, surtout dans le magasin et tout le bazar, quand la meuf elle le cherche et puis qu'il était en dessous de la plastique. Ça m'a fait sursauter. Et puis voilà. Mon neuvième film préféré, film d'horreur, c'est. Ah, je l'ai au bout de la langue en plus. L'Exorciste. Voilà, L'Exorciste. Alors lui, ce film-là, quand je vous dis qu'il est gore à 100%, mais il est gore à 100%, ceux qui n'aiment pas L'Exorciste, il faut vraiment pas regarder en fait, parce que c'est comment. Ce film-là, il est hardcore. Il est hardcore dans le sens où celui qui est sensible dans tout, il faut pas qu'il rire, parce qu'il va complètement divaguer le truc, il va complètement péter les plombs, quoi. C'est un truc de ouf. Enfin voilà. On va passer au dixième film que je mettrai. Vendredi 13. Voilà, Vendredi 13, parce que j'adore le côté Jason. Jason. Pourquoi j'ai dit Michael Myers? Michael Myers, c'est Halloween, c'est pas G. Oh, je sais plus, je suis tellement embrouillé, les gars. Oh, dites-le-moi dans les commentaires. Je crois qu'ils vont m'incendier. Enfin bref, c'est Vendredi 13 avec Jason. Et puis voilà, du coup, c'est un film que j'aime bien aussi regarder. Et puis voilà. Enfin voilà, bref. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager un maximum. Et dites-moi si vous voulez que je vous fasse la même chose avec des séries ou des. Dites-moi dans les commentaires. Et puis voilà. Bye bye tout le monde. C'était Max de 15.